La grande croisade menée par l'empereur ne visait pas à simplement rassembler l'humanité sous une seule bannière, mais avait un objectif plus profond, éradiquer la superstition, les religions et les croyances qui dépassaient l'entendement au profit de la vérité impériale. Cette vérité proclamait qu'il n'y avait pas de mystère lié à l'âme, de sorcellerie ou de dieu, et ceux qui évoquaient de telles choses n'étaient que les signes de leur ignorance, et ceux qui s'accrochaient à ces croyances étaient réprimés. Pour réaliser cette mission, l'empereur affrontait sans hésitation ses opposants, mais il savait aussi montrer de l'indulgence envers ceux qu'il avait vaincus en acceptant leur allégeance. C'est dans ce contexte que la 17e Légion vit le jour, chargée de préserver et de diffuser cette idéologie cruciale pour le futur de l'humanité. Dès sa naissance, la 17e se distinguait de ses consœurs par sa vision unique et ses responsabilités. Si chaque guerrier de l'unification luttait avec un dévouement inébranlable, ceux de la 17e se démarquaient par leur zèle extraordinaire. Sélectionnés parmi les descendants d'ennemis vaincus, leur éducation les confrontait aux transgressions de leurs ancêtres et à la rédemption qu'ils devaient gagner. Ainsi, tandis que certains luttaient avec ferveur, enthousiasme ou fougue, ces guerriers se forgeaient dans une implacable colère, semblable à celle qui brûle dans les cœurs des pénitents et des parias. Ils se tenaient en retrait, graves et taciturnes, établissant peu de liens avec leurs frères d'armes des diverses légions. Même en plein combat, leur but n'était pas d'obtenir la gloire ou de savourer la victoire. Tout ce qui importait, c'était d'accomplir leur devoir. Si certaines légions montraient un respect pour leurs adversaires, la 17e ne connaissait pas cette indulgence. Et ce n'est qu'une fois que leur ennemi était brisé et s'était repenti qu'ils pouvaient être considérés comme méritant autre chose que de disparaître. Alors que certaines légions acquirent des dénominations plus tard dans leur histoire, la 17e fut nommée les Imperial Heralds dès ses premiers jours. Ce titre pourrait laisser penser à une faveur particulière, mais en réalité, il ne symbolisait pas un honneur spécifique, mais de sa place au sein du projet de l'empereur. Lorsqu'un ennemi s'opposait à ses plans de par leur croyance en des dieux ou en des superstitions datant de la vieille nuit, il incombait à la 17e de porter l'ultimatum du futur maître de l'humanité, se soumettre ou succomber. Dans de pareilles situations, un guerrier choisi parmi ceux qui avaient fait preuve d'une grande dévotion envers la vérité impériale, vêtu d'une armure noire, d'un casque représentant une tête de mort et muni d'une masse arborant l'aigle impérial, apparaissait devant les campements, cités ou forteresses qui résistaient à l'empereur. Là, il proclamait la sagesse offerte par ce dernier et mettait en lumière la futilité de leur opposition. En voyant un tel émissaire, certains se rendaient et renonçaient à leurs convictions d'antan. D'autres se raidissaient dans leur foi, et nombre de porteurs de la parole de l'empereur périrent aux mains des rebelles, emportant avec eux des centaines de leurs adversaires. Et à chaque fois, le reste de la légion surgissait peu après et délivrait la mort à ceux qui avaient tenu tête à l'unification. Pour les Imperial Heralds, faire la guerre n'était qu'un outil pour répandre la vérité qui était leur arme la plus puissante. Les idoles, les objets de culte, les temples et les sanctuaires étaient systématiquement détruits, tandis que ceux qui refusaient d'entendre raison et d'abandonner leurs croyances étaient emmenés vers les bûchers, accompagnant ainsi les livres et les statues dans les flammes. Une fois leur mission accomplie, les Imperial Heralds s'en allaient, laissant derrière eux une population qui avait embrassé la vérité impériale et qui pouvait désormais vivre une nouvelle vie. Ce schéma se répéta inlassablement au cours des guerres d'unification, ce qui leur valut un autre surnom, utilisé tant par les différentes légions que par les citoyens, les iconoclastes. Colchis, un monde imprégné de l'essence des anciens dieux, respirait la religiosité à chaque souffle, dans chaque rayon de soleil et même dans la poussière. Pour ses habitants, l'adoration des puissances divines était aussi naturelle que la vie elle-même, ancrée dans leur cœur autant que dans leur tradition féodale. Ce monde, faisant trois fois la taille de Terra, avait été autrefois un bastion de technologie, mais cette époque sombra dans l'oubli lorsque l'ère des luttes avait surgi. La vie était clémente pour certains, difficile pour d'autres. Les maladies fauchaient des générations entières avant de s'estomper, et des guerres éclataient emportant hommes, rois et empires.
Pourtant, une lueur d'espoir persistait. La promesse que la joie renaîtrait, que le temps passerait, car rien ne pouvait rester figé. Et surtout, contrairement aux monarques qui tombaient et aux nouveaux qui s'élevaient, les dieux, eux, demeuraient éternels. La capsule de Lorgar s'échoua dans la lisière de l'oasis de Gatark, où il fut découvert par les Réprouvés, une tribu nomade du désert dirigée par le chef Fan Morgaï. Dès qu'il posa les yeux sur l'enfant, il décida de le baptiser Lorgar, ce qui, dans le dialecte local, signifie l'invocateur de pluie. 17 jours après son adoption par la peuplade, une caravane lourdement armée composée de cavaliers, de charrettes et d'un grand chariot sanctuaire arriva. Elle transportait un prêtre du nom de Corfairon qui se proclamait être le porteur de la parole. Chassé en raison d'avoir suggéré une démarche plus missionnaire à l'Alliance, une redoutable organisation religieuse basée dans la ville sainte de Varadesh qui vénérait les puissances, quatre divinités impitoyables régnant sur un royaume appelé l'Empyréan, Fairon s'était donné pour objectif de prêcher dans le désert auprès des tribus nomades. Le chef des Réprouvés autorisa la caravane à s'approcher, et plusieurs de ses semblables apportèrent de l'eau aux nouveaux venus pour respecter les coutumes locales. Une fois les formalités honorées, le porteur de la parole entama son serment sur les puissances, délivrant un discours passionné qui tranchait avec les allocutions monotones des autres propagateurs. Cependant, la famille de Fan Morgaï gardait un œil vigilant sur la tente où se trouvait Lorgar, qui écoutait avidement les propos de Fairon. Irrité par cette attention, Fairon exigea de savoir ce que renfermait la tente, soupçonnant la présence d'une archéotechnologie datant des temps jadis. Le chef des Réprouvés demanda alors au primarque de s'approcher, et quand le prêtre regarda droit dans les yeux violets de l'enfant, il tomba à terre, aveuglé par la lumière des puissances, et poussa un hurlement. Après avoir retrouvé ses esprits, Fairon déclara que le garçon avait été choisi par les puissances et réclama des détails sur ses découvertes, puis insista pour que Fan Morgaï laisse l'enfant entre ses mains pour l'éduquer. Alors qu'il formulait cette requête, la voix d'un enfant s'éleva, calme et sage, suggérant que peut-être son avis devrait être pris en compte dans cette affaire. De nouveau sous le choc, le jeune primarque rassura le porteur de la parole en lui disant qu'il pouvait maintenant l'observer. S'il ne tomba pas à nouveau, il n'en demeura pas moins que le regard du garçon le troubla à tel point qu'il fut presque à court de mots. Lorgar affirma que son discours était émouvant et qu'il désirait en apprendre davantage à propos des puissances et la vérité, et que pour cela, il devait accepter son offre et le suivre. Une décision approuvée par Fan Morgaï. À cette annonce, Corfairon fut saisi d'une nouvelle détermination et d'une multitude d'idées, notamment celle de retourner à Varadesh avec l'enfant et de purger l'Alliance de sa corruption. Il se dirigea finalement vers son sanctuaire mobile, intimant Lorgar à le rejoindre. En parallèle, il glissa à Axata, son commandant des gardes, que la tribu risquait de rapporter ce qui s'était passé ici, mettant en danger la vie de Lorgar. De plus, il préférait que cette nouvelle ne parvienne pas aux oreilles de l'Alliance. Ainsi, alors que Corfairon et l'enfant montaient dans le chariot, les hommes d'Axata commencèrent à éliminer les Réprouvés. Le primarque observa la scène avec un calme apparent, ne montrant aucun signe d'émotion, si ce n'est une légère lueur de regret dans ses yeux, marquée par un inclinement de la tête et un discret retroussement des lèvres, comme s'il avait anticipé cette issue. Dans le chariot sanctuaire de Corfairon, Lorgar fit la découverte de la présence d'esclaves, dont la justification de leur statut était attribuée par Fairon au fait qu'ils avaient offensé les puissances et qu'il avait ainsi ordonné. Le primarque fut rapidement soumis à une discipline stricte. Il devait se référer à Corfairon en l'appelant maître ou porteur de la parole, ne poser aucune question à moins d'y être invité et de se concentrer sur les enseignements. La première consistait à partager la vie quotidienne avec les serviteurs, sous la supervision de l'un d'entre eux du nom de Nero, qui travaillait pour Fairon depuis longtemps. Il était également tenu de se rendre immédiatement à ses leçons lorsque le prêtre le convoquait, sous peine de punition. De cette façon, il commença à comprendre le premier aspect de la vérité, selon lequel aux yeux des puissances, tous les êtres vivants étaient des esclaves. Pendant que les guerriers d'Axata achevaient d'éliminer les Réprouvés, Fairon se retira dans ses quartiers, laissant Lorgar observer la purification et le démantèlement du camp nomade. C'est à ce moment que Lorgar débuta à tisser un lien de confiance avec Nero, révélant ses premières capacités exceptionnelles, notamment une ouïe fine qui lui permit de mémoriser rapidement les noms de tous les membres de la caravane.
Dès la fin du premier jour, il a pris sa première prière, récitée par Phaéron lors de la messe du soir, où il s'agenouilla aux côtés des esclaves à l'arrière de l'assemblée. Au cours de cette cérémonie, le porteur de la parole ordonna à l'orgare de se lever et le présenta à la caravane comme une bénédiction des puissances. Il lui fit comprendre qu'il était conscient qu'il avait de nombreuses questions, mais que les réponses se trouvaient dans l'étude, l'obéissance et l'adhésion aux enseignements de la vérité, puis lui fit signe de se prosterner à nouveau. Plus tard, l'orgare se rendit à la cabine de son maître pour son premier cours. Lorsque ce dernier sortit un livre intitulé « Préceptes sur les leçons de Damasdar », le primarque osa demander s'il apprendrait à lire. En réaction, Phaéron le gifla d'un revers de la main, le réprimandant pour son impertinence avant de lui assurer qu'il serait initié à la lecture et à l'écriture en temps voulu. Mais pour l'instant, il devait maîtriser les principes de la foi. Après plusieurs heures d'enseignement, le porteur de la parole interrogea le primarque sur ce qu'il lui avait inculqué, et celui-ci lui récita à la perfection certains passages de l'ouvrage. Cependant, Phaéron, en proie à la colère, déclara que répéter ces mots comme un perroquet ne suffisait pas, et ordonna à Axata de le fouetter 6 fois en punition. Brisé et en pleurs après cette punition, l'orgare questionna Nero sur la raison de la colère du maître, mais le serviteur ne pouvait fournir de réponse satisfaisante. Nero demanda à l'enfant de le laisser regarder ses blessures, et fut stupéfait. Aucune égratignure ni aucun hématome n'apparaissait, malgré la force déployée par Axata. L'esclave conseilla au primarque de couvrir ses blessures pour éviter que le porteur de la parole ne remarque l'absence de lésions, ce qui serait préjudiciable pour lui et le commandant des gardes. Le jeune garçon mentionna qu'il avait mal à ses cœurs, et voyant que le serviteur était incrédule en indiquant qu'il en avait plusieurs, il l'invita à appuyer son oreille contre son torse. Après avoir entendu, Nero se demanda quelles autres merveilles le corps de l'orgare pouvait dissimuler. Alors que Nero s'apprêtait à quitter la pièce pour permettre à l'orgare de se reposer, ce dernier le pria de l'aider à apprendre à lire. Cependant, Nero refusa en argumentant que le risque était trop élevé, et lui conseilla de faire preuve de patience, d'assister aux leçons et de ne pas désobéir au maître. Curieux, l'orgare interrogea Nero sur sa vie avant de devenir esclave. Et celui-ci lui révéla qu'il avait été un enseignant qui avait inculqué aux mauvaises personnes l'idée que tous les hommes et femmes étaient égaux aux yeux des puissances, une hérésie pour l'Alliance. Au fil des jours, Kor Phaéron passait de plus en plus de temps avec l'orgare, lui lisant des textes et lui transmettant sa vision du monde. Le primarque avait soif de connaissances et absorbait tout ce que son maître lui apprenait, veillant depuis sa punition à accorder une attention accrue aux détails des écrits tout en s'efforçant de réprimer ses questions, bien que parfois sa curiosité prenait le dessus sur sa discipline. De temps en temps, Phaéron répondait à ses interrogations si le sujet l'intéressait, tandis que d'autres fois, il appelait Axata pour sanctionner l'orgare pour lui avoir fait perdre son temps. Pendant qu'il effectuait ses tâches d'esclave, ses camarades lui parlaient de Colchis, des tribus du désert, des prophètes, des caravanes, des voies commerciales, ainsi que de leurs récits personnels. Dans certains cas, il apprenait même leur langue natale, promettant de ne pas le révéler à Phaéron. Après 40 jours, le primarque, qui avait considérablement grandi, se lançait souvent dans des débats sémantiques avec son maître, qui éprouvait ses capacités en le questionnant sur des accusations de blasphème et d'hérésie. Depuis leur départ du camp réprouvé, le convoi avait évité tout contact avec d'autres marchands et nomades, réduisant leurs provisions à un état critique. Et après avoir consulté les puissances, elle mit le cap vers l'oasis nommée Adrazonti. Durant le voyage, l'orgare avec sa force surhumaine aida ses compagnons esclaves dans leurs tâches quotidiennes, allant un jour jusqu'à chanter pour eux et pour les gardes dans leur dialecte natif. Intrigué par l'ambiance festive, le porteur de la parole sortit de sa cabine et demanda quel était ce vacarme, semant la panique parmi les serviteurs et les sentinelles qui regagnèrent précipitamment leur poste de travail. Phaéron ordonna au commandant de préparer son fouet et aux soldats de rassembler tous les esclaves qui avaient abandonné leur corvée. Une fois les 38 hommes et femmes réunis, y compris Nero, il annonça la sentence, 6 coups de fouet chacun. Pendant que le châtiment commençait, il s'approcha de son élève, qui, bien qu'il fût presque aussi grand que lui, tremblait de peur, et celui-ci se justifia en expliquant qu'il ne cherchait qu'à aider. Son maître lui fit comprendre que ce n'était pas sa place, que ressentir de la compassion pour les serviteurs équivalait à remettre en question la volonté des puissances.
Que penser qu'un individu ne méritait pas son sort ouvrait la porte à d'autres doutes qui pouvaient mener à défier les puissances et la vérité. Finalement, Lorgar présenta ses excuses, et à la demande de Korf Aeron, jura allégeance aux puissances, s'engageant à consacrer sa vie à leur obéir et à apprendre la vérité. Satisfait et fier de sa déclaration, Faeron prononça alors son châtiment pour sa responsabilité dans le désordre, 8 coups de fouet. Sentence qui fut acceptée en silence par le Primarque, qui se dirigea vers le Bastingage pour recevoir le premier choc. Plus tard, le convoi atteignit les abords de l'oasis d'Adrazanti. Pendant que Axata, à la tête de quelques chariots, partit à la recherche de nourriture et d'eau, Faeron attrapa brusquement Lorgar par le col, tentant de l'éloigner du pont tout en lui rappelant l'importance de rester caché aux yeux des autres caravanes et des tours de guet présentes. Cependant, il se retrouva avec la robe de Lorgar entre les mains. En voyant ses épaules, il constata qu'elles étaient indemnes de toute marque, alors même qu'il avait été fouetté moins d'un jour auparavant. L'enfant protesta, et pour cette désobéissance, Faeron le gifla, mais ressentit lui-même une douleur à la main, comme s'il avait frappé un roc. Toutefois, même si la claque n'avait clairement causé aucune blessure à Lorgar, la colère de son maître le fit plier. Quand la caravane reprit son chemin, Axata se dirigea vers la cabine du porteur de la parole pour faire son rapport. Celui-ci confronta le commandant en l'accusant d'avoir épargné Lorgar des coups de fouet, ce que ce dernier réfuta. Faeron se rendit sur le pont principal suivi d'Axata et ordonna à son élève de montrer son dos. La surprise du soldat de ne trouver aucune blessure le conduisit à comprendre qu'il n'était pas coupable. Il élabora alors un nouveau plan et demanda au commandant de réunir 5 de ses hommes les plus brutaux équipés de leur masse. Une fois fait, il leur somma de frapper le primarque avec leurs armes. Après plusieurs minutes, satisfait en voyant le corps meurtri et ensanglanté de Lorgar, Faeron décréta que de tels châtiments seraient dorénavant la norme. Depuis Adrazanti, la caravane s'aventura dans l'étendue connue sous le nom des plaines arides, aussi appelées les sables funestes. Ce nom n'était pas anodin, car ces plaines s'étendaient sur 4000 km, étaient balayées par des vents violents, presque impraticables la plupart de l'année en raison de la chaleur, et abritaient des créatures féroces. Si le début du voyage se déroula relativement sans encombre, il se transforma en un véritable cauchemar, une lutte contre un environnement de plus en plus hostile. Certains des véhicules plus petits ne résistèrent pas aux tempêtes de sable, finissant engloutis ou détruits, tandis que d'autres furent abandonnés ou démantelés. Leur survie dépendait de leur avancée à travers le désert, car rester trop longtemps immobile signifiait être emporté par la furie tourbillonnante connue sous le nom de la rage divine. Grâce à la persévérance de chaque membre de la caravane, ils continuèrent leur progression, et finalement les vents se calmèrent. Leur destination était le dernier refuge, ou Saragen dans la langue du peuple de Faeron, dont les légendes racontaient que c'était l'une des cités anciennes les plus maudites, raison pour laquelle il garda cette information pour lui. Lorsque Lorgar n'était pas occupé à superviser le bon fonctionnement du temple mobile ou à dormir, le porteur de la parole lui prodiguait de nouvelles leçons. Malgré ses efforts pour rester distant et la conscience qu'il accomplissait un devoir sacré, le prêcheur ne considérait plus le garçon comme un simple disciple, mais en tant que son fils adoptif. Lors d'une de ses leçons, Lorgar demanda à son maître la permission de lire les livres anciens écrits dans des langues séculaires que personne ne comprenait. Étant certain de parvenir à traduire leur contenu, le primarque insista en appelant Faeron « père ». Si celui-ci fut dans un premier temps heureux de constater que son attachement était réciproque, les circonstances de cette déclaration transformèrent cette joie en colère. Il le sermonna alors en lui disant de ne plus jamais l'appeler ainsi, lui expliquant que sa tentative de flatterie pour obtenir des faveurs ne fonctionnerait pas avec lui, puis convoqua Axata pour le punir. Lorsque le commandant fut chargé de rassembler les guerriers les plus forts pour la sanction, ce dernier avoua que lui-même et ses soldats étaient réticents. Se rendant vers les quartiers de l'équipage, une fois arrivé, Faeron demanda à chaque individu présent s'il contestait sa volonté. Axata reprit la parole et expliqua qu'il ne voulait plus infliger de châtiment à l'enfant choisi par les puissances, par crainte de voir leurs âmes être damnées, et suggéra plutôt de consulter les puissances pour trouver une alternative.
Phaéron tenta de calmer les craintes de ses sujets et de maintenir son autorité. Mais la situation bascula lorsque le chef des gardes déclara qu'il ne servirait pas un homme qui n'estimait pas Lorgar comme un nouveau prophète envoyé par les puissances. Il ordonna à ses guerriers de saisir le prêcheur et de l'emmener sur le pont. Alors qu'Axata et ses partisans discutaient de l'exil ou de la mise à mort de Phaéron, Lorgar intervint et exigea la libération de son père. Le commandant et les soldats lui étant fidèles acceptèrent sa décision. Cependant, ceux qui le considéraient comme une abomination passèrent à l'offensive. Dès les premiers tirs, Lorgar fonça vers le premier groupe d'opposants et les massacra en seulement quelques secondes. Contemplant son œuvre, l'instigateur principal de l'attaque, un homme nommé Aengi, tira sur le primarque, le touchant à l'épaule. Alors qu'Aengi et les autres déserteurs faisaient feu au hasard pour couvrir leur retraite, Phaéron, submergé par l'émotion et voyant son protégé blessé, appela Lorgar fils au même moment qu'il effleura sa plaie. Le primarque le rassura en lui disant que ce n'était rien de grave, et le porteur de la parole exprima ses inquiétudes quant à la possibilité qu'un des fuyards puisse survivre et informer l'Alliance de son existence. Le primarque prit alors une massue et partit à la poursuite des traîtres dans le désert. Sa traque dura 3 jours avant de revenir vers le convoi triomphant. Alors que Cor Phaéron, désespéré par son absence, s'apprêtait à mettre le feu à ses nombreux livres dont il ne comprenait pas l'écriture. Rempli de fierté, Phaéron proclama que Lorgar était le nouveau porteur de la parole, l'ancien maître ployant le genou devant lui sous les yeux de l'ensemble de la caravane. À peine une semaine après être devenu le porteur de la parole, Lorgar avait réussi à gagner la loyauté de plusieurs tribus, et la taille de leur camp avait presque doublé. Le primarque continua à étudier et à débattre avec Phaéron, dorénavant son bras droit et professeur, sur de nouvelles bribes d'informations extraites des livres qu'il avait enfin pu consulter. Un jour, Lorgar confessa à Phaéron qu'il n'était pas sûr de comprendre la volonté des puissances. Ses lectures ne l'avaient pas rapproché de la vérité et les observations des étoiles à la recherche de signes des puissances semblaient vaines, et il commençait à croire qu'il s'était égaré. Son professeur était d'avis que les puissances avaient détourné leur attention, déçues par les crimes de l'Alliance, en particulier leur destruction de la véritable foi, ce qui avait provoqué leur désintérêt envers le peuple de Colchis. Soudainement, le primarque entra en transe, invitant son père à écouter une mélodie que lui seul pouvait percevoir. Puis brusquement, il poussa un cri, s'effondrant sur son lit de camp. Les mains crispées sur ses tempes, les yeux écarquillés, il gémit, se tordant d'un côté à l'autre, pris de spasmes. Phaéron tenta de calmer son protégé, saisissant sa main avec force alors qu'il convulsait. La crise prit fin aussi subitement qu'elle avait commencé. Lorgar se redressa et informa son père qu'il avait eu une vision. Il avait vu un être vêtu d'or et d'étoiles nommé l'Unique, qui était en route. Ignorant la signification de cette vision, Phaéron déduisit que cet être était le primarque lui-même, un encouragement des puissances, et que le moment était venu de marcher sur Varadesh pour purger l'Alliance. Lorgar approuva cette idée et décida de créer un nouveau credo, la vérité de l'Unique. Cependant, son professeur fit remarquer qu'ils étaient encore trop peu nombreux pour assiéger les murs de la cité, ce à quoi son protégé répondit qu'il avait l'intention de commencer par libérer les esclaves des mines de Tarantis. Alors que la caravane de Lorgar atteignait enfin sa destination, elle fut rapidement repérée, et des transports blindés affiliés à l'Alliance émergèrent au loin. À moins d'un kilomètre de distance, les véhicules arborèrent des drapeaux verts, signe qu'ils désiraient entamer des pourparlers, ce à quoi Phaéron donna l'ordre à Axata d'en faire de même. L'émissaire de l'Alliance se présenta comme la diaconesse de guerre Alas Poa, commandante de la troisième tour, et les avertit que l'accès à Tarantis leur était strictement interdit. Phaéron riposta en affirmant que rien ne pouvait entraver leur mission. La tension montant rapidement, Lorgar exprima le souhait de prendre la parole, mais son père le lui refusa. Finalement, les négociations tournèrent court lorsque la diaconesse les accusa de blasphème et tira avec son pistolet en direction de Phaéron, dont la balle fut stoppée net par Lorgar. La bataille s'engagea immédiatement. Le primarque bondit par-dessus le bastingage et abattit 3 soldats avec sa masse une fois au contact. S'il manquait de réflexion et d'entraînement, sa taille, sa vitesse ainsi que sa force impressionnante lui permirent de compenser largement ses lacunes.
L'Orgar se retrouve à encercler, esquivant au mieux les lames de ses adversaires tout en ripostant, ce qui petit à petit sapait son énergie. Craignant pour sa vie, Axata et ses guerriers le rejoignirent en chargeant le centre de l'armée de l'Alliance. C'est à ce moment que de nouvelles escouades surgirent des transports pour attaquer les flancs des troupes du porteur de la parole. L'Orgar, de son côté, parvint à atteindre la diaconesse qui dégaina sans tuloir et faucha le manche de la masse du primarque. Celui-ci expédia en réaction un coup de poing au visage qui réduisit en bouillie la visière de son casque et son crâne, brisant en même temps sa colonne vertébrale. Malgré la mort de la diaconesse, la situation devenait de plus en plus périlleuse, car un nouveau transport approchait et les troupes d'Axata étaient progressivement encerclées. Voyant la bataille s'aggraver, Phaéron, qui était resté sur le temple mobile, se saisit d'une arme et prononça un discours qui galvanisa ses esclaves, les incitant à le suivre au combat. L'Orgar criblé d'Antaï luttait désormais aux côtés d'Axata et d'autres de ses guerriers, massacrant avec de plus en plus d'aisance tous ceux qui se dressaient devant lui. Soudain, un mille pattes motorisé fonça droit dans la mêlée pour abattre le primarque, fauchant alliés comme ennemis dans le processus. Au moment où le véhicule s'apprêtait à pulvériser Nero, le primarque se précipita pour s'interposer, ouvrant en deux le nez de la machine avec ses javelots. L'Orgar fut projeté quelques mètres plus loin. La peau et la chair de ses bras avaient été déchiquetées du poignet jusqu'au coude. Alors que Nero rejoignait le porteur de la parole, il vit Phaéron, Axata et ses soldats se regrouper autour du transport détruit et l'abordèrent, massacrant tous ceux qui avaient survécu. Une fois aux côtés du primarque qui commençait à se relever, il déchira ses vêtements pour en faire des bandages qui serra autour de ses bras. Cependant, l'esclave constata que les entailles présentes sur sa poitrine, son visage et les autres parties de son corps étaient déjà en train de cicatriser. La victoire avait prélevé un lourd tribut dans les rangs de la caravane. Une quarantaine de serviteurs et une vingtaine de soldats étaient morts, et plusieurs dizaines d'entre eux risquaient de succomber à leurs blessures. Les guerres de détour de l'Alliance, témoins de la défaite de leur armée, s'étaient retirés de la ville en barricadant l'entrée. Malgré leur triomphe, le temps jouait contre eux, car il était quasiment certain que d'autres troupes de l'Alliance étaient en route. C'est alors que l'Orgar eut l'idée de prononcer un discours, et les serviteurs ainsi que Phaéron se mirent immédiatement au travail pour faire en sorte que tout Arrantis puisse écouter sa voix. Une fois prêt, il délivra une allocution passionnée pendant des heures, s'adressant aux esclaves emprisonnés et exploités, les exhortant à briser leurs chaînes au nom de l'Unique. Ce discours charismatique fut entendu, et après une journée, près de 5000 hommes et femmes des mines rompirent leurs entraves et se joignirent à l'Orgar, formant désormais une véritable armée. L'Orgar et Kor Phaéron dirigèrent leurs forces en direction de Méassin, où l'Alliance supervisait d'immenses plantations de coton et de lin, profitant cruellement de 10 000 esclaves. Au cours du voyage, le porteur de la parole fut de nouveau saisi par des crises, dont l'une d'entre elles lui avait donné comme vision l'Unique, accompagné d'un magus vêtu de bleu, et doté d'un seul œil étincelant de la lumière des puissances. Phaéron et son protégé interprétèrent cette vision comme une confirmation qu'ils étaient sur la bonne voie, que l'entité dorée représentait l'Orgar, tandis que Phaéron était le magus. De Méassin jusqu'à Kofus, la caravane progressa de campement en campement, écrasant toute résistance de l'Alliance et renforçant ses rangs avec des milliers d'esclaves. Au bout du compte, l'armée de l'Unique dépassa les 30 000 hommes, et la taille croissante de leurs fidèles commença à poser des défis logistiques. Pour résoudre ce problème, une base semi-permanente fut établie à Mérina, où la grande majorité d'entre eux demeura, tandis que l'Orgar emmena le noyau dur de ses troupes au cœur du désert. Malgré l'opposition de son mentor, il aspirait à recruter de nouvelles tribus nomades réprouvées et décida de mettre le cap sur les plaines arides. Pendant leur périple, ils atteignirent une vaste étendue connue sous le nom du cratère du chagrin, une cavité de 40 km de large qui avait abrité une ville il y a des siècles. Cependant, cette région était désormais le territoire d'une créature féroce, le ver royal. À peine 4 km après être arrivé au cœur du cratère, des cris s'élevèrent à quelques centaines de mètres du primarque, là où se trouvaient auparavant des cavaliers. L'Orgar identifia immédiatement le responsable, qui n'était nul autre que le ver royal.
Axata ordonna à sa centaine de guerriers de se rassembler pour affronter la bête qui tournait désormais autour d'eux. Voyant le danger approcher, le primarque, au centre de la formation, leur intima de se disperser, et les soldats s'éparpillèrent en constituant des petits groupes espacés de plusieurs dizaines de mètres. Le monstre qui avait disparu dans les profondeurs surgit soudainement, engloutissant 2 douzaines de combattants et écrasant sous son poids 30 guerriers de plus. Mesurant près de 200 mètres, il se déplaçait en rampant à travers le sable avec d'énormes pattes noires de 5 mètres de long. Son corps était couvert d'écailles rouges et or étincelantes, chacune aussi large qu'un bouclier. Sa tête était longue de 5 mètres, possédait 3 paires de yeux et une gueule garnie de plusieurs rangées de crocs aiguisés, tandis que l'arrière de sa tête était surmontée d'une sorte de collerette osseuse qui entourait son cou. Comprenant que les balles et flèches explosives étaient impuissantes face aux écailles de la créature, leur garde, tenant fermement sa masse, se précipita dans sa direction. Le ver royal, apercevant sa proie approcher, plongea en avant, sa mâchoire se renfermant sur le primarque, qui disparut dans un nuage de sable et de roches brisées. Témoin de l'effroyable sort du porteur de la parole, Corphaeron et les soldats poussèrent des cris de désespoir et d'horreur. Cependant, la créature commença à être secouée de spasmes. Son crâne percuta violemment le sol sur le côté, puis se mit à se débattre férocement, avant de gésir sans vie, un frisson parcourant son corps de la tête à la queue. Abasourdis par cette scène, les survivants de la caravane virent lentement la bouche du ver royal s'ouvrir, laissant apparaître l'orgar qui sortit en chancelant. Incrédules, ils se relevèrent précipitamment et accoururent vers le porteur de la parole pour lui porter secours. Mais ce dernier les prévint de ne pas approcher, car il était recouvert de baffes corrosives. Une fois débarrassé de cette substance, le primarque ordonna à Axata de retourner vers les véhicules et de prélever autant d'écaillés d'os que possible, dans le but de fabriquer un panneau indiquant que le tueur de verre était basé à Merina. Enfin, l'armée des fidèles de l'Orgar atteignit les premières routes qui menaient à Varadesh, où résidaient 1 million de citoyens et 3 fois plus d'esclaves. Sous les conseils de Corphaeron, l'Orgar choisit de se cacher pour éviter que des rumeurs de son arrivée ne se répandent jusqu'à la cité des Fleurs Grises. À la place, les forces de l'Orgar établirent leur camp à plusieurs kilomètres de la cité, tandis que Faeron partit vers Varadesh avec une petite escorte pour entamer des négociations diplomatiques. Alors qu'ils étaient à un peu plus de 2 km des murs, Faeron se rendit compte que toutes les précautions prises pour préserver la discrétion n'avaient servi à rien, car une troupe de plusieurs centaines de soldats émergea de la ville et se dirigea vers eux. Parmi eux, une douzaine d'hommes et de femmes étaient vêtus des tenues caractéristiques des prêtres, et une prêtresse du nom de Silena s'adressa à Faeron en demandant où se trouvait le géant. Faeron, se présentant comme l'archidiacre de la vérité unique, répondit que l'Orgar n'était pas présent, et voulut savoir pourquoi ils étaient retenus de la sorte. Silena fit signe à des brancardiers de s'approcher, puis ordonna de retirer les couvertures. À la stupéfaction de tous, les corps des 6 hiérarques et de l'ecclésiarque, le chef de l'Alliance, furent révélés. Il devint ainsi évident que bien avant leur arrivée, la ville s'était convertie à la vérité de l'unique, et attendait avec impatience la venue du porteur de la parole. Quelques jours plus tard, l'Orgar fit un discours d'investiture en tant qu'ecclésiarque, devant des centaines de milliers de fidèles depuis le balcon du temple de la Flèche de Varadesh. Il affirma que cette ville marquait le début d'une nouvelle ère pour Kolchis, où la vérité de l'unique devait s'étendre à l'ensemble de la planète. Après son allocution, l'Orgar rejoignit son mentor, les hiérarques, des membres du clergé et des laïcs. Faeron, essayant de contenir sa colère du mieux qu'il pouvait, exprima sa surprise face à la déclaration implicite de guerre contre les autres cités de la planète, sachant qu'il manquait de ressources pour une telle entreprise. L'ecclésiarque répondit que la voie de la paix restait une option, et que certaines cités, comme ce fut le cas avec Varadesh, les accueilleraient favorablement. Apercevant l'opportunité de s'occuper des affaires de l'Alliance en l'absence du primarque, et étant certain que celui-ci devra se tourner de nouveau vers les puissances lorsqu'il échouera, l'archidiacre s'inclina devant la décision de l'Orgar. Le jour du départ, des milliers d'esclaves, de missionnaires, de prêtres, de soldats et de cavaliers furent rassemblés à l'extérieur de la ville, avec une variété de véhicules allant des chariots aux yachts solaires. Après le discours de l'Orgar, l'armée se mit en marche.
les fidèles arrivèrent d'abord à Golgora, où le primarque prêcha la vérité et l'avènement de l'unique devant les murs. Les vizirs de Golgora avaient été tenus au courant que les fidèles avaient quitté Varadesh et choisirent de rallier le nouveau credo. Qtol, Marcia, Lanansa et Urdesh suivirent le même chemin, adoptant favorablement la nouvelle foi. Cependant, à Epicéa, bastion de l'église de la délivrance de l'archiviste depuis des siècles, les catapultes et les volées de flèches enflammées furent la seule réponse donnée aux primarques. Malgré leur puissante armée, les tours de la ville ne résistèrent pas plus de 3 jours. De plus, de nombreux épicéens ayant rejoint la cause de l'Orgar se rebellèrent et sabotèrent les défenses. Lorsque la cité tomba, ses habitants se virent offrir un ultimatum par le primarque, se soumettre ou périr. Bien que certains épicéens choisirent la mort, la grande majorité fut convaincue par les serments de l'ecclésiarque, qui leur promettait une vie libre sous la protection de l'Alliance. D'autres villes résistèrent farouchement, certaines capitulèrent, tandis que d'autres encore furent réduites en cendres, leurs citoyens massacrés jusqu'au dernier, irrémédiablement corrompus par une foi dévoyée. En parallèle, Corphaeron déploya des milliers d'individus vers les cités où l'opposition restait forte avant l'arrivée de l'Orgar et de son armée, dans le but de convertir la population locale et d'ébranler la résolution de ses défenseurs. Ces missionnaires et guerriers clandestins étaient connus sous le nom de Ushmetar Kol, ou plus communément la confrérie du couteau. À mesure que la vérité de l'unique se répandait, le réseau et la prospérité de Varadesh rencontraient une croissance constante, drainant un flux financier et humain de plus en plus considérable. L'archidiacre enseignait les préceptes de l'ecclésiarque, mais aussi des valeurs qu'il lui importait, telles que l'obéissance, la discipline, les vertus du sacrifice et la détermination. Une fois formés et armés, ses fidèles étaient renvoyés à travers les déserts pour rejoindre les forces de l'Orgar, de sorte que pour chaque soldat tombé, 10 autres prenaient sa place. Peu à peu, le nom de l'Orgar devint célèbre sur tout le continent et reçut plusieurs surnoms, notamment le Risen, signifiant le plus sage des sages, l'architecte de la foi, et Aurelian, se traduisant comme le doré en référence à sa peau dorée. Après 4 années de campagne, les forces du primarque comptaient des centaines de milliers d'hommes. À la simple rumeur de l'approche de son armée, même les athées les plus endurcis se rendaient, et des villes furent purgées des infidèles pour être remodelées à l'image de Varadesh. En l'absence de son père, l'Orgar se confiait régulièrement à Nero, qui restait également à ses côtés lorsqu'il avait des visions. À plusieurs reprises, des cohortes dirigées par des diacres de guerre ou des adeptes cherchant à prouver leur foi attaquaient, assiégeaient et pillaient des villes sans le consentement de l'ecclésiarque. Soupçonnant une conspiration, Nero recommanda au primarque de réprimer ce qu'il qualifiait de rebelles, mais l'Orgar refusa, arguant qu'il ne pouvait pas punir des individus pour une manifestation incontrôlable de leur piété. Des coalitions de cités se dressèrent en opposition aux porteurs de la parole, mais aucune d'entre elles ne pouvait rivaliser avec son éloquence, sa puissance militaire ou sa force. Sa maîtrise des langages et de la linguistique était telle qu'il pouvait comprendre les us et coutumes, la culture et la morale d'une civilisation après seulement une journée en leur compagnie, ou la lecture de quelques textes. Cette compétence lui permit d'éviter des guerres coûteuses, car ses sermons prononcés dans la langue maternelle de ceux qu'il cherchait à convertir étaient particulièrement persuasifs. Chaque vie perdue lors des affrontements plongeait l'Orgar dans une profonde tristesse. Il rendait hommage à ses fidèles sacrifiés dans ses discours et ses rêves étaient hantés par leur mort. Bien qu'il estimait le prix de la vérité être trop élevé, il savait qu'il était engagé sur une voie irréversible, en tant que guide spirituel pour des millions d'individus qui le considéraient comme leur chef. À mesure que le primarque se rapprochait de son but, ses visions devenaient plus intenses, et Nero mettait tout en œuvre pour le protéger pendant ses moments critiques. Des rumeurs circulaient, prétendant que l'ecclésiarque avait contracté une infection du désert ou que l'esprit du ver royal l'avait possédé pour se venger. Mais Nero et Axata réprimaient fermement ces allégations. Ils envoyèrent également des messages secrets à Phaéron, lui demandant de venir s'occuper de son fils adoptif, mais ils restèrent sans réponse. Nero apportait tout le soutien et le réconfort qu'il pouvait, bien que parfois terrifié par les réactions de l'Orgar lorsqu'il entrait en transe. Cependant, malgré tout cela, ou peut-être en raison de l'influence évidente de la puissance de l'unique sur leur chef, la foi de l'Orgar et de ses proches ne vacilla pas.
Après chaque crise, il réapparaissait avec une énergie renouvelée, prêchant avec patience ses croyances et sa compréhension de l'Empire Eann. Après la victoire des forces de Lurizen sur la cité de Katage, il restait une dernière étape, conquérir Gaïvarla, la ville des magistères. Cette ville n'avait jamais été envahie par un ennemi, car ses dirigeants avaient la capacité, par des moyens mystérieux, de déclencher l'écorcheuse, un ouragan de poussière et de foudre qui durait plusieurs jours. Ressentant qu'il avait besoin de conseils, Lorgar arriva seul à Varadesh pour parler à son mentor et lui exprimer ses doutes concernant ses visions, ainsi que ses soupçons que Gaïvarla était protégée par des technosorcelleries. Au cours de leur discussion, le primarque demanda ce que faisait son père. Il lui répondit qu'il consacrait son temps à la transcription des dires de son fils, prenant des notes sur ses pensées, ses paroles, sa foi, ses sermons et ses conversations, que ce soit avec des convertis ou des ennemis, tout en apportant des modifications pour les rendre plus claires. Une fois leur discussion terminée, Lorgar était prêt à reprendre sa campagne et demanda à Faeron de l'héberger pour la nuit et qu'au petit matin il rejoindrait son armée. Lorsque la congrégation de Lorgar fut rassemblée, tous observèrent avec appréhension le mur de tempête. Au moment où Axata songea qu'il était inutile d'attendre davantage et qu'il fallait passer à l'assaut, le primarque lui fit signe de patienter. Après cela, le doré s'avança résolument vers l'écorcheuse. À une distance d'à peine 10 mètres d'elle, il s'agenouilla, examina, puis entama une conversation en direction de la tempête, croyant que les magistères pouvaient l'entendre à travers elle. Il récita des prières à l'unique, évoqua les noms des villes qu'ils avaient soumises, et en vain énoncer les conséquences qui découleraient de leur refus de se rallier à lui. Une fois son discours terminé, il marcha vers l'écorcheuse, et à mesure qu'il se rapprochait, son corps fut enveloppé de tourbillons d'énergie. Lorgar persévéra, réussissant à créer une brèche dans la tempête, puis l'élargit davantage en progressant. Voyant une opportunité, Axata se précipita vers son véhicule et ordonna à toutes les cohortes d'avancer et de passer à travers. Menés par le primarque, les fidèles prirent les murailles, s'engouffrèrent dans la ville et à la fin du jour, le dernier des magistères fut abattu. Kolchi s'enfin unifié après 6 ans de guerre, l'ecclésiarque retourna à Varadesh, où il fut accueilli par des millions de personnes à l'extérieur de l'enceinte et par le son des cloches, carillons et gongs provenant de centaines de temples. Arrivant au temple de la flèche, à l'approche de son ancien disciple, Corfairon s'agenouilla et lui souhaita la bienvenue. Le primarque le félicita pour les changements qu'il avait apportés à la ville et exprima l'espoir que toute leur cité deviendrait aussi splendide. Cependant, il mentionna également qu'il restait beaucoup à faire, car il avait entendu parler de sectes et de cultes dédiés aux puissances qui étaient encore actifs et certains se rebellaient contre son autorité. Bien qu'inquiet, notamment parce qu'il avait lui-même créé une organisation secrète appelée le Cœur Noir dans ce but, Faeron suggéra de purger les éléments corrompus, une option que Lorgar approuva. Nero s'opposa à cette idée et tenta d'ouvrir les yeux de Lorgar sur l'influence néfaste que Faeron exerçait sur lui. Face à ces accusations, l'archidiacre frappa violemment l'ancien esclave, le faisant dévaler plusieurs marches. En réponse, il sortit sa dague et chargea droit sur Faeron, mais juste avant de l'atteindre, la masse de Lorgar fracassa le crâne de Nero. Là, les mains ensanglantées, debout avec le cadavre de Nero à ses pieds, Lorgar leva un doigt couvert de sang vers les cieux, déclarant qu'il arrivait. À la conclusion de la guerre sur Kolchis, moins d'un an après la dernière bataille, l'unique apparut sur un puissant navire volant. L'empereur, accompagné du fameux Magus, qui n'était autre que le primarque Magnus le Rouge, avait pour escorte deux escouades des Frozen Sons. Se présentant en tant que le maître de l'humanité, Lorgar, submergé par l'émotion, tomba à genoux en larmes, reconnaissant l'empereur comme le dieu de ses visions, et lui jura fidélité. Le primarque lui expliqua comment il avait pacifié Kolchis à travers son culte, pour la gloire de son nom. Sous les ordres de Lorgar, tous les aspects des croyances de l'Alliance furent dédiés à l'Empereur, et la population de Kolchis se rassembla derrière ce nouveau dieu. Des cérémonies de dévotion et des actes d'allégeance se déroulèrent sur plusieurs mois. Cependant, de nombreux rapports laissent entendre que ces longues célébrations irritèrent l'Empereur, qui souhaitait avant tout poursuivre rapidement sa conquête de la galaxie.
La croyance en la divinité de l'empereur n'était pas nouvelle. Dès sa première conquête, des murmures affirmaient qu'il n'était pas un simple mortel. Même ses adversaires vaincus, confrontés à sa puissance dévastatrice, commençaient à le considérer comme un être divin, utilisant des termes tels qu'ange, esprit ou même démon pour tenter de comprendre leur défaite. Et certains allaient jusqu'à le vénérer en secret. Il ne fait aucun doute que Lorgar estimait que son père était un dieu et avait cette conviction avant même de le rencontrer. Et il la conserva après avoir pris le commandement de sa légion, malgré sa mission de purger l'idolâtrie et la superstition. Durant ses premières années à la tête de ses fils, Lorgar garda ses croyances pour lui, ne les révélant ni ne les reniant ouvertement. Ses écrits de l'époque encensaient la vision de l'empereur et sur la voie qu'il traçait pour l'humanité, mais elle ne contenait aucune dénonciation de sa divinité présumée. Le primarque partagea vraisemblablement sa foi avec certains de ses fils, comme Erebus et Corphaeron, qui étaient ses principaux confidents. D'autres comme Alikgar, haut héros de la Légion et commandant avant Lorgar, furent convertis par leur père génétique. L'arrivée du Primarque ne bouleversa pas l'apparence ni la stratégie de combat de sa Légion, mais elle avait profondément affecté son âme. La simple dévotion à un idéal ou la quête de la victoire n'était plus suffisante. Ce qui apportait par-dessus tout, c'était la vérité dans sa forme la plus pure. Si le succès de la Grande Croisade semblait inévitable, la vraie réussite résidait désormais dans la profondeur de l'âme des guerriers, dans leurs expériences et dans l'impact qu'ils laissaient sur l'humanité. Cette ferveur croissante se répandit dans la 17e telle une flamme ardente, comme si la seule présence de Lorgar avait illuminé ses fils d'une flamme plus intense. Il est crucial de noter que pendant la Grande Croisade, Lurizen rédigea le Lectitio Divinitatus, exposant pourquoi l'empereur était un dieu. Car nul être humain n'aurait pu accomplir tout ce que le maître de l'humanité avait fait. Les fidèles de ses enseignements se rassemblèrent en secret à travers tout l'Imperium, formant un culte religieux clandestin dédié à la vénération de l'Empereur-Dieu. L'un des changements les plus notables provoqués par le doré fut l'accent accru mis sur les cérémonies. Les héros vêtus de noir et coiffés d'un crâne reçurent une nouvelle mission, veiller sur la force morale de leurs compagnons d'armes. Ces figures, désignées sous le nom de chapelains, devinrent le noyau spirituel de la Légion, guidant leurs frères vers la vérité à travers la parole et l'action, que ce soit face à l'ennemi ou au sein de leur propre rang. Lorsque des villes étaient réduites en gravats ou que des peuples étaient exterminés, ces actes étaient accomplis avec la solennité d'une cérémonie. Le chapelain proclamait rituellement la mort de leurs adversaires, dispersant leurs cendres ainsi que celles de leur monde sur les têtes penchées des légionnaires. De nouveaux termes, expressions évoquant ceux de Colchis s'intégrèrent dans le lexique de la 17e, comme apôtre et credo. Certains commencèrent également à qualifier les courants de pensée divergents et potentiellement dangereux d'hérésie. La transformation de la Légion se déroula sur plusieurs décennies. Avant même l'arrivée de Lorgar, la 17e comptait déjà un grand nombre de membres, ce qui nécessitait une approche en plusieurs phases. Le doré avait un don pour toucher les cœurs des hommes, et ses méthodes pour y parvenir rivalisaient en subtilité avec celles de Fulgrim et Robout Gilliman sur le champ de bataille. La foi se répandit progressivement de frère à frère, tandis que les chapelains adaptaient astucieusement leurs conseils à cet objectif. En parallèle de l'ancienne hiérarchie militaire, de nouvelles structures organisationnelles appelées fraternités émergèrent. Bien qu'elles semblent similaires à celles d'autres légions, elles étaient en réalité des moyens de propager la religion au sein de la 17e. L'idée que des guerriers ayant combattu jusqu'à présent pour éradiquer toute notion de divin dans la galaxie adoptent ces croyances peut paraître étrange, mais cela sous-estimerait la nature profonde du fanatisme. Fondamentalement, ils avaient besoin d'une cause autour de laquelle bâtir leur univers, une cause évolutive tant que leurs convictions demeuraient intactes. Au plus profond d'eux-mêmes, la 17e fut attirée par la religion car une partie d'entre eux avait toujours aspiré à cela, désirant que la foi transcende la rationalité. Un autre facteur qui permit à Lorgar de convertir sa légion à la croyance en la divinité de l'empereur fut l'essence même de la Grande Croisade. Comme la plupart de ses consoeurs, la 17e se battait sur plusieurs fronts, subissait des pertes et recrutait constamment. Cette attrition mêla les vétérans aux néophytes, diluant ainsi le nombre d'iconoclastes originaires de Terra parmi les Space Marines venant de Colchis et d'une dizaine de mondes conquis.
Pour ces derniers, le système Sol était un inconnu, de même que l'ancienne nature de la Légion. Ils adoptèrent donc ce qui leur était enseigné, car c'était la seule vérité qu'ils connaissaient. Quant aux natifs de Colchis, la foi en la divinité faisait partie intégrante de leur vie dès leur naissance. Une fois le processus achevé, lorsque le dernier des Imperial Heralds embrassa la religion, leur guerre apporta une modification finale. Les Imperial Heralds devinrent les Worldbearers. Pour le reste de l'Imperium, ignorant les changements au sein de la 17ème, ce nom symbolisait leur rôle crucial dans la diffusion de la vérité impériale dans la galaxie. Cependant, pour Lorgar, cette appellation reflétait son objectif ultime, donner à l'humanité la foi en un dieu au sommet de sa gloire. Alors que la Grande Croisade atteignait son apogée, Lorgar pacifia aux côtés de ses fils des dizaines de mondes, des civilisations qui avaient vécu sous le joug des Xénos, des Psykers et de la croyance en de faux dieux. Toutefois, ceux-ci faisaient désormais partie intégrante de l'Imperium, et la vérité s'offrait à eux. Convaincu de détenir la vérité authentique, le Primarque considérait qu'il était égoïste de la garder pour lui seul. De ce fait, en parallèle de la Grande Croisade, il initia une campagne personnelle, rompant avec la rationalité que son père avait initialement préconisée au profit de la foi. À mesure que des systèmes tombaient sous la domination des Worldbearers, leur population était amenée à croire que l'Empereur était un être divin. Contrairement aux autres légions qui, une fois leur conquête achevée, se lançaient en quête de nouvelles planètes à intégrer à l'Imperium, la 17ème prenait son temps. Ils érigeaient des temples, et les chapelains ainsi que leurs prêcheurs se rendaient parmi les peuples vaincus pour leur parler du dieu qui désormais les gouvernait. Les mondes qu'ils reconstruisaient connaissaient un essor et une prospérité remarquables, et leurs habitants se montraient profondément fidèles envers l'Imperium et l'Empereur, obéissant en tout point. Cependant, leur dévotion était condamnée dès l'instant où les Worldbearers les avaient conduits sur cette voie. Des rumeurs commencèrent à se répandre, circulant entre les diverses forces qui avaient combattu aux côtés de la 17ème, évoquant des pratiques rituelles, une ferveur inégalée et un zèle hors norme pour accomplir les objectifs de la Grande Croisade. Bien que ces rumeurs se propagèrent rapidement, le haut commandement n'entreprit aucune enquête. La Grande Croisade s'étendait à travers toute la galaxie, impliquant d'innombrables flottes et des centaines de milliers d'armées, séparées par d'immenses distances que seule la navigation dans le Warp permettait de franchir. L'Empereur et ses conseillers étaient contraints de faire confiance à ceux qui dirigeaient la croisade, car ils ne pouvaient procéder autrement. De plus, les ouï-dires et les soupçons ne suffisaient pas à remettre en question les actions de l'une de ces légions. Finalement, ce ne furent pas les discours sur la foi qui révélèrent les fautes des Worldbearers, mais le rythme de leur conquête. Si conquérir des mondes demandait déjà du temps et des ressources, les reconstruire et les convaincre que l'Empereur était un dieu en exigeait encore plus. Au fil des ans, le nombre de planètes ramenées dans le giron impérial par la 17ème ralentit considérablement. Là où d'autres avaient mis en conformité des dizaines de systèmes, elles n'en revendiquaient qu'une poignée. La différence devint si flagrante que la situation ne put être ignorée davantage, poussant le Conseil de guerre à dépêcher plusieurs expéditions sur les mondes que les Worldbearers avaient soumis afin de comprendre ce qui se passait. Lorsque la vérité éclata, il ne fallut pas longtemps avant que l'Empereur décide d'agir contre la 17ème. Cependant, il prit son temps, préférant attendre un délai après avoir reçu les premiers rapports, allant même jusqu'à dépêcher de nouvelles missions pour enquêter sur d'autres planètes conquises par les Worldbearers. Une fois en possession de suffisamment de preuves, le maître de l'humanité convoqua son fils Roboot Gilliman, le primarque de la 13ème Légion, pour être l'instrument de la punition des Worldbearers. Le choix de faire appel aux Ultramarines plutôt qu'aux loups de Fenris s'expliquait par le désir de l'Empereur de ne pas anéantir Lorgar et ses fils, mais de les réorienter. A l'époque, la 13ème avait déjà accumulé un impressionnant palmarès de victoires et de conquêtes, ce qui avait conduit à la prospérité de leur royaume, constitué de centaines de systèmes stellaires florissants. Ils étaient à la fois similaires et différents des Worldbearers à bien des égards, incarnant à la perfection ce que la 17ème aurait pu devenir. La flotte de l'Empereur arriva dans le système de la planète 4710, mieux connue sous le nom de Kour,
le 10e monde réintégré dans l'Imperium par les Worldbearers. Depuis 61 ans sous la bannière impériale, Kour revêtait une importance cruciale pour la 17e, qui avait fait de la capitale Monarchia la cité parfaite. Cette renommée était attribuée à la ferveur religieuse de sa population et à la profusion de cathédrales et de monuments consacrés au culte de l'empereur. Le maître de l'humanité donna l'ordre aux contingents ultramarines, sous la direction personnelle de Gilliman, de raser 16 villes de ce monde, y compris Monarchia. Avant de procéder à la destruction, les ultramarines avertirent tous les habitants qu'ils avaient 6 jours pour évacuer, prévenant que toute résistance serait réprimée violemment. Malheureusement, cela entraîna la mort de dizaines de milliers de civils. Au lever du 7e jour, la 13e Légion quitta les villes, puis leur flotte passa à l'action, réduisant les cités en cendres grâce à des bombardements orbitaux. 2 mois plus tard, l'armada des Worldbearers émergea de l'Immaterium et se dirigea vers la planète, constatant avec tristesse et amertume que la cité parfaite, autrefois visible depuis l'espace, avait disparu. Alors que l'Orgar transmettait un message à tous ses vaisseaux promettant des réponses avant la fin de la journée, son signal fut brusquement interrompu. C'est la voix de Robot Gilliman qui prit la parole, ordonnant aux 100 000 Space Marines des Worldbearers de se rendre à la surface et de se rassembler à l'emplacement de l'ancienne capitale. Le Risen, arrivant à bord d'un Warrock doré et escorté par 6 Thunderhawks Ultramarines pointant leur tourelle vers lui, débarqua aux côtés de Kor Faeron et marcha à travers les cendres de ce qui avait été la cité parfaite. Le Primarque arbora un sourire mélancolique en exprimant sa joie de voir ses fils réunis, puis déclara que le sang appelait le sang. L'Orgar se tourna vers les Thunderhawks près de son propre appareil et intima à Gilliman de le rejoindre pour répondre de ses actes. Il ordonna également aux Warbearers de se préparer et de surveiller tout signe de trahison. Robot Gilliman sortit de son vaisseau accompagné d'une centaine de membres de la 19e compagnie, ainsi que de Malkador le Sigillite, le premier des seigneurs de Terra et bras droit de l'empereur. L'Orgar exigea des réponses à plusieurs reprises de la part de Malkador concernant ces destructions. Malkador, avec calme, tenta d'expliquer que ce monde n'était pas soumis, ce qui déclencha la colère de l'Orgar. Tout en avançant vers le Sigillite, il fit l'éloge de l'obéissance exemplaire des habitants et de leur dévotion vers l'empereur. Malkador souligna que c'était précisément la vénération du maître de l'humanité en tant que dieu qui avait conduit à sa disparition. En réaction, le Primarque projeta le Sigillite sur le côté d'un revers de l'amas, le faisant rouler à 20 mètres de distance dans la poussière. Il se tourna ensuite vers Gilliman, impassible, et lui demanda pourquoi il avait fait ça à sa planète, lequel lui répondit qu'on lui avait sommé de le faire. Le doré annonça alors son intention de mener sa légion sur Terra pour en informer son père. Cependant, Malkador, se relevant, révéla que l'empereur était déjà au courant, car c'était lui-même qui avait ordonné la destruction de Monarchia. L'Orgar l'accusa de mentir. Et c'est alors que le Sigillite établit un contact psychique avec l'empereur, indiquant que son fils refuserait de l'écouter. L'instant suivant, dans une explosion de lumière, le maître de l'humanité apparut devant l'Orgar aux côtés de 5 de ses gardes custodiens. D'un ton calme mêlant colère et tendresse, l'empereur salua l'Orgar, qui répondit avec respect. L'empereur projeta sa voix dans une vague de force, commandant à l'ensemble des Worldbearers de s'agenouiller. Puis il fixa son regard sur le doré et lui demanda de faire de même. Insistant pour qu'il se prosterne, le Risen s'inclina, ses instincts initiaux s'effaçant pour laisser place à la raison et au réconfort de la foi. Cependant, sa colère refit surface lorsqu'il vit les Ultramarines se relever sur l'ordre de leur Primarque. Face à l'Orgar et à toute sa légion à genoux, l'empereur fit résonner à nouveau sa parole et rappela au Primarque qu'il était un général conçu pour la guerre, la conquête et l'unification de l'humanité sous la bannière de la vérité, et non un prêtre. Ensuite, il diffusa dans l'esprit de l'Orgar l'image de Monarchia telle qu'elle avait existé, démontrant comment elle avait été un foyer d'idolâtrie, égarant les croyants dans l'erreur. Malgré cela, l'Orgar persista à justifier la nature divine de l'empereur, qui répliqua que l'Imperium devait être éclairé et sauvé par la vérité impériale. Dans un ton plus fort et avec une augmentation de sa puissance psychique, il s'opposa à l'Orgar qui tenta de prendre sa main. Avec calme, l'empereur déclara que l'Orgar était aveuglé par des croyances dangereuses pour l'humanité, et dans un éclair psychique, le tumulte se dissipa.
Lorgar se releva tremblant. Du sang lui coulant par une oreille en une l'entraînait le long de ses tatouages et répondit qu'il écoutait. Le maître de l'humanité projeta de nouveau sa voix à l'ensemble des Wardbearers et leur fit part de leur échec, soulignant que malgré leur nombre seulement dépassé par la 13e, ils n'avaient pas réussi à conquérir autant que d'autres légions. Il les blâma pour leur propension à s'attarder sur les mondes capturés, propageant une foi erronée et érigeant des rituels et des monuments trompeurs. Il leur ordonna de tirer des leçons de ces événements, de cesser de répandre le culte de sa personne et de redoubler d'efforts dans leur campagne. Avant que Lorgar puisse articuler un mot, l'empereur se téléporta sur son vaisseau. Tandis que les Wardbearers peinaient à se redresser, Lorgar s'effondra à genoux, leva la tête et poussa un cri vers le ciel. Puis d'une main tremblante, le Primarque couvrit son visage de la cendre noire de Monarchia. Deux Wardbearers tentèrent de le relever, mais le doré se dirigea vers le seigneur d'Ultramar, l'accusant d'avoir trouvé une satisfaction dans son humiliation et d'avoir assisté à la destruction de ses accomplissements. Guilliman lui révéla que l'empereur avait assigné 20 custodiens, conduits par l'Oculi Imperator à Quillon pour les surveiller lui et ses fils. Déshonoré, Lorgar frappa brusquement son frère, qui chuta au sol. En réponse, les Ultramarines et les Wardbearers pointèrent leurs bolters les uns sur les autres. Alors que Guilliman se relevait lentement, le doré lui fit la promesse que plus jamais il ne se moquerait de lui, avant de proférer des menaces à l'encontre de Malcador. C'est à ce moment que Corphaeron intervint, réussissant à calmer Lorgar et à ordonner à la 17e de retourner vers leur vaisseau. Après les événements de Monarchia, Lorgar se cloîtra pendant plusieurs jours dans les quartiers de son vaisseau amiral, le Fidelitas Lex, pour expier ses péchés par l'auto-flagellation. Une fois s'estimant prêt, il convoqua Corphaeron et Erebus dans ses quartiers. Il entama d'abord une conversation en tête-à-tête avec son père, abordant sa faute d'avoir persisté dans sa foi envers l'empereur et la nécessité de renoncer à ses croyances. Le premier capitaine souligna les conséquences potentiellement catastrophiques de cette décision, craignant que cela ne brise l'unité de la Légion, car jusque-là, la foi avait été son ciment. Le Primarque répondit que ce genre de défi ne lui était pas étranger. Erebus fit son entrée, et Lorgar l'invita à s'asseoir à ses côtés, puis sollicita son avis sur la situation. Le premier chapelain affirma que l'empereur était un dieu, et que la Légion ne devrait ressentir aucune honte d'avoir propagé un culte en son honneur. Il souleva également le fait que la foi de la Légion était brisée, et que les chapelains étaient désarmés face aux nombreuses questions de leurs frères. En réponse, le Primarque admit son incapacité à fournir des explications claires, tandis qu'Erebus répliqua qu'il était enlisé dans ses regrets. Phaeron enjoignit son fils adoptif à exprimer ses pensées les plus profondes. Le Primarque évoqua alors les souvenirs de l'arrivée de l'Empereur et de Magnus, et de la joie qu'elle avait apportée au peuple de Colchis, et Phaeron confirma qu'il se rappelait de ces moments. L'Urizen demanda l'avis de son père sur cet épisode. Phaeron déclara que bien qu'il ait vu un être divin vêtu d'une armure dorée, il ne le considérait pas comme une entité bienveillante. Sa présence psychique lui avait meurtri les yeux, et son aura évoquait le massacre et la domination. Il avoua que, contrairement à la plupart des habitants de Colchis, il n'avait pas placé sa foi dans le maître de l'humanité, préférant se fier au jugement de Lorgar. Phaeron souligna que parmi tous les Primarques, Lorgar était celui qui ressemblait le plus à l'empereur, que ce soit physiquement ou dans son apparence. Cependant, contrairement à certains de ses frères, il n'avait jamais commis d'actes cruels ou destructeurs avec un sourire malveillant, un trait qui semblait directement hérité de l'empereur. Le doré rappela qu'ils étaient tous les fils de l'empereur, et le premier capitaine rectifia en précisant qu'ils étaient tous des facettes de lui. Il expliqua que le lion représentait sa rationalité et son don pour l'analyse. Magnus personnifiait son potentiel psychique et sa soif de connaissance. Russ reflétait sa férocité débridée par la raison. Horus portait son ambition sans les freins de l'humilité. Et Guilliman était son écho, celui vers qui se tournait si les choses se compliquaient pour gouverner l'Imperium. Lorsque Lorgar interrogea quelle facette était la sienne, Erebus prit la parole pour affirmer qu'il incarnait l'espoir, la croyance en une meilleure façon de vivre et le désir d'élever l'humanité vers son plein apogée.
Toutefois, quand il demanda quels étaient ses défauts, à ce moment Erebus et Phaéron s'échangèrent des regards gênés, ce qui n'échappa pas à l'Orgar, qui comprit leur manigance et rit en les qualifiant de conspirateurs. Finalement, le premier capitaine confessa que sa faiblesse résidait dans sa foi et sa dévotion envers les autres. Après une brève pause, l'Orgar admit que l'empereur s'était trompé en ce qui le concernait, qu'il ne pourrait jamais égaler l'art du commandement de Guilliman ou du Lion, ni la maîtrise de l'épée du Phénicien ou du Khan. Il interrogea alors ses conseillers sur ce qu'il y avait de mal à être un chercheur de vérité, estimant que la destruction ne constituait pas la réponse à toutes les questions. Phaéron affirma que l'empereur avait ses défauts, qu'il était un dieu imparfait, et l'Orgar l'implora de ne pas en dire plus. Cependant, avec le soutien d'Erebus, qui parlait au nom des chapelains, Phaéron déclara qu'ils avaient tout simplement eu tort, qu'ils avaient prié le mauvais dieu pour des raisons justes, et que Monarque avait payé le prix de leurs erreurs, mais qu'il n'était pas trop tard pour se repentir. Considérant ces paroles comme une hérésie, le doré ordonna à ses confidents de quitter la pièce. En réponse, son père adoptif l'accusa d'orgueil et de refuser de faire face à son échec. Il insista sur la nécessité de reforger Colchis avec une nouvelle foi, similaire aux puissances que l'Orgar avait connues dans son enfance. Il projetait de propager cette foi sur les planètes qu'ils avaient conquises ainsi que sur celles à venir, mais avant cela, il fallait déterminer si cette foi était authentique ou corrompue. Comprenant leurs intentions, le Primarque exprima son dégoût face à l'idée que ses conseillers souhaitaient en réalité que la Légion entreprenne le pèlerinage, afin de chercher les dieux qu'ils avaient passé des décennies à nier l'existence. À force de discussion, l'Orgar décida qu'il poserait ses questions à son frère Magnus, qui serait probablement en mesure de fournir des réponses éclairantes sur ce sujet. Suite à cette résolution, Phaéron admit qu'il s'était préparé en secret depuis des années, semant sur certains mondes assujettis des croyances originaires de Colchis auxquelles il avait toujours adhéré, les puissances. Face à cette révélation, le Primarque entra dans une rage aveugle et saisit son père adoptif à la gorge, l'empêchant de parler et de respirer. Phaéron ne fut sauvé que grâce à l'intervention d'Erebus, qui avertit l'Orgar qu'il était sur le point de le tuer, et le Primarque relâcha sa prise peu après. Erebus fit valoir que le premier capitaine avait préservé une poignée de cultures là où la grande croisade en avait éradiqué des milliers. Phaéron ajouta que de nombreuses civilisations partageaient des croyances autrefois similaires à celles de Colchis, suggérant que ce n'était pas le fruit du hasard. Le Primarque hocha la tête en signe de compréhension et ordonna à Erebus de transmettre au chapelain tout ce à quoi il avait pensé ces derniers jours, ainsi que ses réflexions à venir. Il lui demanda ensuite d'apporter de quoi écrire le lendemain, annonçant que lui-même et Phaéron l'aideraient à rédiger un nouvel ouvrage, La Nouvelle Parole. Quatre semaines après leur départ de cours, l'armada des Worldbearers entra dans le système de la planète 4716. Ce monde évoquant l'ancienne Terra avec ses forêts, ses océans foisonnants de vie et ses cités abritait une population qui pendant des millénaires croyait être les derniers humains, pensant Terra comme une légende. La 47e flotte expéditionnaire resta en orbite, moteur coupé, surveillant toute hostilité potentielle. À la 9e heure, l'Orgar apparut sur le pont de commandement du Fidelitas Lex. Dans un discours diffusé à tous les vaisseaux, il s'excusa d'avoir été absent pendant près d'un mois, affirmant que le passé était révolu et qu'il était temps de renforcer leurs liens de fraternité. Il ajouta que l'empereur désirait que la 17e procède à des conquêtes plus rapides, et bien que cela le peine, si un monde résistait ou ne pouvait être assujetti avec célérité, il serait de leur devoir de le purifier. Le doré aborda ensuite le sujet du jour, la mise en conformité de 4716. À la grande consternation du Primarque, les dirigeants de la planète, bien qu'heureux d'apprendre qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers, avaient refusé les offres pacifiques de l'Imperium et rejeté la vérité impériale. En conséquence, quelques heures plus tôt, les maîtres de chapitre s'étaient rassemblés pour discuter des objectifs et des zones d'atterrissage. L'Orgar conclut son allocution en donnant l'ordre d'éliminer les 200 millions d'âmes vivant sur le globe. La bataille de 4716 débuta par un intense bombardement planétaire d'une journée entière qui anéantit toutes les cités,
sauf une d'une superficie de 20 km protégée par un puissant bouclier. Devant cette résistance, un second pilonnage fut déclenché ciblant les défenses, avant de lancer l'assaut au sol. Parmi les forces d'invasion se trouvait la 34e compagnie menée par le capitaine Sortalgron. À leur approche, ils découvrirent que les défenses n'étaient pas totalement neutralisées. Des arcs d'énergie surgirent depuis la surface, fauchant plusieurs stormboards et modules d'atterrissage alors qu'ils pénétraient dans l'atmosphère. Talgron, réagissant avec rapidité, ordonna à ses stormboards d'effectuer des manœuvres d'évitement et contacta ses frères capitaines des 4e, 7e, 9e et 17e compagnies qui le suivaient de près, les exhortant à emprunter une autre voie. Malgré les difficultés, la 34e réussit à se poser à environ 5 km du dôme bouclier. L'armée ennemie était composée d'étranges abominations argentées, des tripodes avec des pattes d'insectes de 3 mètres se terminant par des lames. Leur tête, d'où jaillissaient de puissants rayons électriques ainsi que leur torse, était fait de verre transparent, révélant des circuits semblables à des veines et une structure osseuse métallique. Bien que leurs bras ressemblaient à ceux des humains, leurs avant-bras se finissaient par des pointes d'argent produisant des arcs électriques. Les bolteurs avaient peu d'effet sur ces machines, leurs projectiles étant neutralisés par un champ électrique avant impact. Les armes de mêlée conventionnelles s'avéraient également inefficaces, bien que les tripodes soient plus vulnérables au corps à corps. Seules les armes lourdes telles que les canons laser, les multifuseurs et les armes de mêlée énergétiques étaient à la hauteur pour anéantir ces entités mécaniques. Aux côtés de la 34e, des milliers de Space Marines soutenus par une armada de chars livraient bataille contre les forces ennemies. Ces derniers fauchaient Astartes, Predator et Land Raiders en nombre, mais l'objectif des Worldbearers était clair, atteindre le dôme bouclier. Talgron et son escouade se retrouvèrent face à un tripode, et n'ayant pas l'arsenal adéquat, le capitaine fit appel à un escadron de Land Speeders équipé de bolteurs lourds et de multifuseurs pour neutraliser la menace. Après sa destruction, ils reprirent leur progression, mais furent rapidement stoppés par trois nouveaux adversaires qui éliminèrent trois Space Marines en quelques instants. Sans attendre, l'escouade engagea le combat rapproché. Talgron, avec sa masse énergétique, réussit à faire tomber une des abominations, et alors que la machine tentait de se relever, un coup décisif du capitaine mit fin à ses agissements. Parallèlement, une autre entité fut neutralisée par un Space Marine armé d'un fuseur, tandis que le dernier, après avoir vu ses boucliers brisés par le point énergétique du sergent Arshak, fut achevé d'un tir de Bolt. Poursuivant leur route vers l'objectif, Talgron et son escouade observèrent l'affrontement colossal qui se déroulait plus loin. Des centaines de chars et une demi-légio titanique lançaient un assaut implacable sur le dôme bouclier toujours intact. À l'intérieur de ce rempart énergétique, des flèches d'argent captaient les éclairs venant des cieux. Une fois chargées, elles libéraient cette énergie accumulée en arcs électriques dévastateurs, anéantissant les troupes et les véhicules de la 17e. La puissance de ces impulsions était telle que Talgron assista à la désintégration d'un titan Warlord, ses boucliers brisés par une première salve avant qu'une seconde ne rase son pont de commandement. À l'approche du dôme, le capitaine remarqua les pointes plus petites qui étaient leurs cibles. Kolbadar, l'un de ses Space Marines, avait précédemment théorisé que ces structures étaient essentielles à la stabilité du bouclier, et il avait vu juste. Après avoir reçu les rapports de trois autres de ses escouades qui confirmaient la réussite de la pose des charges explosives sur ses pointes, Talgron ordonna une détonation synchronisée. Les bombes à fusion firent leur œuvre, et bientôt les bâtiments s'effondrèrent. Saisissant cette opportunité, Talgron somma à ses hommes d'enclencher leur réacteur d'orso et de se précipiter vers la brèche ouverte, parvenant à s'infiltrer avant que le bouclier ne se restaure. Au cœur de la cité, un temple colossal dominait le paysage, couronné d'une statue monumentale représentant la divinité vénérée par les habitants. Pénétrant à l'intérieur, Talgron et ses Worldbearers découvrirent une multitude de civils, environ 40 000 âmes qui se mirent debout pour leur faire face. Malgré la tension palpable, l'escouade avança vers un vieil homme en robe, le prêtre en charge de ce lieu. Face à Talgron, le prêtre resta stoïque. Lorsque le capitaine exigea la reddition des troupes et la désactivation du bouclier, le vieillard désigna un objet mystérieux, un livre tridimensionnel enchâssé dans un cube translucide.
En l'examinant, Talgron reconnut avec stupeur des écrits similaires du Lectitio Divinitatus, le texte sacré rédigé par son père. L'ouvrage montrait également une image familière, celle de l'empereur dans son armure d'or parsemée de symboles d'éclairs, comme il le portait durant les guerres d'unification. Il réalisa alors que ce peuple vénérait l'empereur de l'humanité. Le prêtre confirma cette révélation, expliquant qu'il n'était pas hérétique, mais des disciples perdus, cherchant à rejoindre l'Imperium après une longue séparation du reste de l'humanité. Talgron promit de plaider en faveur de la cité, à condition que le vieil homme désactive les défenses. Reconnaissant la sincérité du Space Marine, il accepta et éteignit le bouclier protecteur. Talgron contacta le Fidelitas Lex en précisant la situation, et l'instant d'après, une centaine de Terminators, le premier capitaine, le premier chapelain et l'Orgar lui-même se téléportèrent. Talgron informa l'Orgar de la découverte du texte similaire au Lectitio Divinitatus. Le doré, visiblement surpris, invita Talgron à le suivre jusqu'au sommet de l'amphithéâtre, accompagné du prêtre et des Rébus. En chemin, Lurizen confia à Talgron que le Lectitio était désormais obsolète et qu'un nouvel opus était en préparation, qui surpasserait le précédent. Une fois au sommet, face au premier capitaine, Talgron interrogea la nécessité de condamner ces gens simplement pour avoir été séparés de Terra pendant plusieurs millénaires. Corphaeron rétorqua qu'ignorer la vérité ne pardonnait pas le blasphème. Soudainement, l'Orgar passa les bras autour des épaules de Talgron, lui indiqua avec regret qu'il fallait parfois faire des sacrifices, puis le fit pivoter vers le prêtre qui fut égorgé par Erebus. Dans la foulée, la première compagnie déchaîna une salve meurtrière de bolteurs, d'autocanons et de lance-flammes, annihilant les civils présents. Face à l'horreur de la scène, le primarque demanda la loyauté de Talgron. Abasourdi mais résolu, le capitaine de la 34e assura sa fidélité, et le doré l'invita à plonger dans son nouvel ouvrage et à donner son avis dès la fin de leur campagne. Lorsque le bouclier tomba, les Warbearers se déversèrent dans la cité, confrontés à des tripodes déterminés à la défendre coûte que coûte. Au cœur de cette offensive, Argeltal, capitaine de la 9e compagnie d'assaut à la tête de l'escouade Torgal, avança rapidement à travers la ville. Ils rejoignirent Xaphen, un chapelain de leur compagnie et l'escouade Malnor, bloqués par une des monstruosités mécaniques. Se préparant pour l'attaque, Argeltal et ses guerriers se propulsèrent en avant avec leurs réacteurs dorsaux, leurs épées tronçonneuses et leurs pistolets bolteurs. Le combat fut intense, mais la combinaison des deux lames énergétiques du capitaine de la 9e finit par venir à bout du tripode. L'affrontement terminé, Argeltal reçut une communication urgente de l'escouade de reconnaissance d'Agotal. Il sollicitait l'aide de la cohorte Carthage de la Legio Cybernetica face à un ennemi inconnu, semblable au tripode mais de conception différente, baptisé Obsidienne. Ces machines, hautes de 2 étages avec 6 jambes, se distinguaient par un torse opaque noir. Face à l'inefficacité de leurs bolteurs montés sur leurs motos et motojets, l'escouade d'Agotal se replia, évitant habilement les entités mécaniques. Pendant qu'ils ravitaillaient leurs engins, 2 obsidiennes se rapprochèrent. C'est à ce moment qu'un vaisseau du Mechanicum intervint, déployant le technoprêtre Xinu 73, issu de la 9e manipule de la cohorte Carthage. Accompagné de ses 4 automates, 2 Crusaders baptisés Sanguine et Alizarin, un cataphracte appelé Vermillon et un conquéreur nommé Incarnadine, ils éliminèrent les obsidiennes. Après les avoir neutralisés, l'escouade d'Agotal, épaulée par la 9e manipule, va renforcer les rangs d'Argeltal pour affronter une autre de ces machines. Tandis que les Space Marines engageaient le combat rapproché, Argeltal donna le signal à Xinu 73 d'entrer en jeu. Sanguine et Alizarin ouvrirent le bal, leur canon laser infligeant des blessures brûlantes à l'obsidienne. Au moment où les Crusaders avec leurs lames tranchantes réussirent à amputer l'engin de 2 de ses membres, celle-ci se tourna dans leur direction. Incarnadine, armée de bolteurs lourds, déversa un déluge de feu sur la créature. Puis dans une charge fulgurante, Vermillon, muni de ses marteaux de siège, lui arracha une autre jambe. Finalement, dans une offensive coordonnée, l'escouade d'Argeltal va à bout de la machine. La cité fut le théâtre d'affrontements similaires acharnés pendant des heures. Les Warbearers déployant des manipules de la Legio Cybernetica et des escadrons de blindés pour contrer la menace des obsidiennes.
La bataille finie, la légion entière se regroupa au cœur de la ville. À l'apparition de l'Orgar, tous s'agenouillèrent, suivant le rite de commémoration. Cependant, dès le début de son allocution, le primarque demanda à ses fils de se relever, geste qui surprit bon nombre d'entre eux, à l'exception des chapelains. Il prit ensuite la parole pour remercier le custodien Aquilon et ses frères d'armes pour leur aide précieuse lors de cette campagne. En guise de gratitude, ils s'inclinèrent respectueusement. Toutefois, l'Orgar exprima son souhait de s'adresser exclusivement à sa légion, évoquant l'épreuve et la remise en question qu'ils avaient subie récemment. Aquilon, soucieux de sa mission dictée par l'Empereur, réfuta à plusieurs reprises les demandes du Primarque. L'Orgar, élevant la voix avec autorité, rappela qu'il était né de la vision et du génie de l'Empereur, conçu pour exécuter sa volonté, et que Aquilon lui n'était qu'un pantin assemblé dans un laboratoire, puis prononça le nom de Corphaeron. Sur son ordre, l'ensemble de la 17e braqua ses armes sur les custodiens. Face à cette menace, deux serviteurs remirent une balise de téléportation à Aquilon, qui, sans autre choix, fit retraite avec ses compagnons vers le Fidelitas Lex. Le Doré, après avoir observé silencieusement sa légion, leur parla du pèlerinage et annonça leur prochaine destination, Colchis, une nouvelle qui fut accueillie avec enthousiasme par de nombreux Worldbearers. L'après-campagne de 4716 vit l'armada des Worldbearers mettre cap sur Colchis, un voyage qui leur prit 4 mois. Quand le Fidelitas Lex arriva dans le système, il repéra immédiatement le Sekemra, un bâtiment des Fozen Sons. L'Orgar établit le contact et la voix familière de Magnus le Rouge retentit, tout aussi ravi, et convinrent de se rencontrer à Varadesh. Dans l'Aspire Temple, l'Orgar accueillit Magnus, qui loua la beauté de Varadesh, et le Doré complimenta celle de Tiska en retour. Ensemble, ils observèrent depuis le balcon une procession honorant les 7 survivants de Monarchia que les Worldbearers avaient ramenés. L'Orgar parla de Sirène, une survivante rendue aveugle par la dévastation de la Cité Parfaite, soulignant la fascination des foules pour de telles tragédies. Le Roi Pourpre nota une ressemblance entre les paroles de l'Orgar et celles de Corphaeron, et rappela ses mises en garde contre son influence excessive. L'Orgar, cependant, apaisa ses inquiétudes, clarifiant que ses intentions n'étaient pas guidées par le premier capitaine, mais par le désir de rencontrer les rescapés. Magnus brisa le silence en demandant comment tout avait pu ainsi s'effondrer. Lurizen parla d'abord de sa jeunesse sur Colchis, des visions et cauchemars qu'il avait eus concernant l'arrivée de l'Empereur pendant qu'il unissait le monde. Cependant, quand l'Empereur était enfin venu, il n'avait pas été ému par les sacrifices faits en son nom. Ayant consacré le début de sa vie à étudier les écrits sacrés en espérant l'avènement d'un sauveur, l'Orgar avait cru que ce sauveur serait l'Empereur, mais il s'était trompé. Magnus interjeta que leur père avait apporté du sens, néanmoins pas celui que l'Orgar avait anticipé. Aurelian admit que peut-être un sens avait été donné, mais pas celui nécessaire à l'humanité. En conclusion, l'Orgar exprima son incompréhension face à l'Empereur, qui après avoir vu l'Orgar édifier une foi en lui pendant près d'un siècle, l'avait finalement réprimandé pour ses convictions. Le Primarque fit remarquer qu'au fil de l'histoire, souvent, seuls les êtres considérés comme divins reniaient leur propre divinité, et leur père, lorsqu'il était venu sur Colchis, n'avait pas nié cette nature. Pour Lurizen, il était clair que l'Empereur avait observé sa croisade pendant un temps, avant de décider que sa religion devait être brisée. L'Orgar questionna le rôle des Primarques en tant que guerriers. Magnus expliqua que c'était la mission que l'Empereur avait envisagée pour eux dans sa quête de reconquête galactique. Mais le Doré croyait que l'humanité avait aussi besoin de penseurs et de visionnaires pour la guider. Il confia qu'il ne s'était jamais vraiment perçu comme un simple soldat, ce qui l'avait poussé à favoriser l'intégration harmonieuse des planètes qu'il avait soumises. Le Roi Pourpre soutint que s'il ne s'identifiait pas comme un guerrier, alors il ne devrait pas commander une légion, car les Astartes étaient conçus pour être des armes, pas des bâtisseurs ou des artistes. Avec une pointe d'ironie, Aurelian mentionna la majestueuse Tiska, construite en grande partie grâce aux Fozen Sons. Magnus, tout en reconnaissant le point de l'Orgar, rappela que ces Fozen Sons, malgré leur penchant pour l'architecture, étaient également de redoutables conquérants, contrairement aux Worldbearers.
Après une pause, Magnus questionna Lorgar sur le lien de cette conversation avec Monarchia. Lorgar admit que cet événement avait bouleversé ses espoirs pour l'avenir. Le roi pourpre exprima sa compassion, mais Lorgar, encore bouillonnant de colère, rétorqua qu'il ne pouvait pas comprendre la douleur de voir l'empereur détruire sa création la plus chère, ni entendre que lui et sa légion l'avaient déçu. Pendant un siècle, il avait prêché sa foi en l'empereur, croyant qu'il était la réalisation de toutes les prophéties sur l'élévation de l'humanité. Désormais, on lui disait que sa vie était basée sur un mensonge, que ses convictions étaient fausses, qu'elles avaient causé la chute de civilisation et que ses frères qui s'étaient moqués de lui avaient eu raison. Magnus, bien qu'essayant de comprendre, exhorta son frère à se maîtriser. Il n'était pas là pour écouter ses lamentations et le défia en lui demandant s'il avait l'intention de l'attaquer comme il l'avait fait avec Gilliman sur Monarchia. Pris de remords, le doré s'excusa et reconnut qu'il avait du mal à se contrôler récemment. Poursuivant leur échange, le roi pourpre fit remarquer avec certitude que la peur habitait Lorgar. Ce dernier confirma, avouant craindre que l'empereur décide de détruire sa légion et lui-même, tout comme il l'avait fait pour leurs deux frères disparus. Magnus admit que cela pourrait effectivement se produire, révélant que l'empereur l'avait consulté sur cette éventualité. Il laissa aussi entendre que l'empereur avait probablement demandé l'avis de leurs autres frères, et qu'à sa grande surprise, les Manrus et Horus s'étaient rangés du côté de Lorgar. Évitant de s'empêtrer dans le mystère des deux légions perdues, Magnus affirma avec conviction que les Worldbearers ne connaîtraient pas le même sort. Il avait foi en Lorgar, d'autant plus que la nouvelle de sa conquête impressionnante de 4716 faisait écho à travers l'Imperium. Lorgar, changeant brusquement de direction dans leur discussion, sollicita les lumières de Magnus sur la mythologie colchisienne et sur le pèlerinage, qui conduit au lieu sacré où divinités et mortels se rencontrent. Mais Magnus, avec prudence, conseilla à son frère de ne pas s'obstiner à se mettre en quête d'une nouvelle idole à adorer, juste parce que sa croyance précédente s'était révélée erronée. Le doré demanda si son frère le percevait comme un individu perdu dans l'ignorance, en quête désespérée d'un être ou d'une chose à laquelle adresser ses prières. Le roi pourpre, avec un air grave, fit observer que c'est précisément ainsi que la postérité pourrait se souvenir de lui s'il persistait dans cette direction. Fervent, Lorgar avança que l'humanité était dépourvue de sens sans la foi. Magnus contre-argumenta en affirmant que les hommes n'avaient pas besoin de religion pour donner un sens à l'existence, car la lumière de l'empereur suffisait. Néanmoins, Lurizen insistait sur l'idée que la foi avait historiquement été le ciment unissant les peuples et assurant leur pérennité. Aurelian, curieux, interrogea Magnus sur ses visions du Warp, cherchant des indices sur l'avenir ou des présages à venir. Magnus expliqua que ce n'était pas si simple, provoquant les suspicions de son frère qu'il accusa alors de dissimuler la vérité. Le roi pourpre, agacé, répondit que Lorgar avait tendance à ne voir que ce qu'il désirait percevoir et martela une fois de plus que l'empereur n'était pas un dieu et qu'aucune autre divinité n'existait. Le doré dépeignit l'empereur comme une force psychique presque insaisissable dont le visage changeait constamment. Pour Lorgar, ce n'était pas un simple père comme Magnus le décrivait, mais un dieu. Magnus poussa un soupir lourd d'exaspération et exprima sa compréhension des intentions de Lorgar, mais refusa catégoriquement d'y prendre part et annonça son départ imminent. Le doré, cherchant désespérément à retenir son frère, évoqua la puissance exceptionnelle de l'empereur. Il suggéra que, si l'empereur dans toute sa grandeur existait, d'autres entités similaires pourraient peupler l'univers, échappant à la perception humaine, peut-être même résidant hors de la sphère physique. Magnus testa Lorgar sur les intentions de l'empereur en lui demandant s'il avait envisagé que ses avertissements avaient peut-être un fondement solide. Avec une profonde conviction dans ses yeux, Lorgar avança l'idée que la quête de la vérité était une démarche noble et nécessaire. Dans cette optique, il questionna Magnus sur ses voyages à travers le vaste et tumultueux Grand Océan, s'interrogeant sur ce qu'il y aurait pu y découvrir, notamment des indices de l'existence de divinités. Magnus, pensif, évoqua l'énigmatique Immaterium, rappelant qu'ensemble ils avaient visité des mondes influencés par le Warp, où les habitants interprétaient sa puissance surnaturelle comme de la simple magie. Lorgar, sentant le doute de son frère, insista pour qu'il reste à ses côtés pour l'éclairer dans cette quête.
Cependant, Magnus, empli de réticence, exprima son appréhension d'assister à la dérive de l'Orgar dans les profondeurs obscures du Warp, un chemin qu'ils avaient souvent vu arpenté par des êtres qu'ils jugeaient primitifs. En réponse, l'Orgar argumenta que leur croisade pourrait ne pas être aussi pure qu'ils le pensaient, suggérant qu'en éradiquant mondes et cultures, ils pourraient inconsciemment réprimer une vérité fondamentale. Voyant le visage de l'Orgar marqué par l'angoisse, les lèvres tremblantes et les mains crispées, Magnus l'agrippa par les épaules et l'enjoignit à retrouver son calme. Le regard fixé sur l'unique œil de Magnus, le doré admit qu'il était hanté par d'innombrables voix prophétiques. Le roi pourpre le somma de l'écouter. Il expliqua que ce n'était pas la voix du destin qu'il entendait, mais sa propre peur, la peur d'échouer, d'entraîner la perte d'un autre monde, la crainte que leur histoire soit effacée, tout comme celle des deux légions disparues. Mais Lurizen répliqua que cette crainte s'était évaporée, remplacée par une inspiration renouvelée. Magnus, d'un ton sévère, rétorqua que l'Orgar ne pouvait masquer son malaise, et qu'il avait raison d'être effrayé. Il était à la croisée des chemins, face à la douloureuse réalité que ses actions sans Colchis avaient été guidées par une foi mal placée. La tâche colossale de réparer les erreurs commises sur les mondes qu'il avait conquis l'attendait désormais. Après s'être ressaisi, Aurelian se détourna de son frère et déclara qu'il aurait pu l'aider, qu'ils auraient pu entreprendre le pèlerinage ensemble. Magnus demanda quelles étaient ses intentions. L'Orgar, avec une nouvelle détermination, détailla sa vision pour la Grande Croisade. Sa flotte se disperserait à travers les étoiles tout en menant leur pèlerinage, soumettant chaque planète rencontrée, mais en évitant de glorifier l'Empereur avec des monuments. Magnus réaffirmant qu'il s'en allait, l'Orgar l'interrogea sur les mystères du Grand Océan, allant jusqu'à le menacer de révéler à leur père ses escapades dans les terres. Puis dans un élan de désespoir, l'Orgar hurla en demandant d'où venaient ces voix. Magnus, se préparant à disparaître dans un éclat lumineux vers son vaisseau, laissa un dernier conseil à l'Orgar. S'il persistait dans cette voie, le malheur le guetterait inévitablement. Après Monarchia, la campagne de 4716 et son entretien avec Magnus, l'Orgar se retira pendant un certain temps, sa légion jouant un rôle mineur dans les événements de la Grande Croisade. Lorsqu'elle revint, il était évident qu'elle avait changé. Elle ne dépensait plus autant d'énergie à reconstruire les planètes après les avoir conquises, et ainsi le nombre de systèmes ramenés dans le giron impérial augmenta rapidement. L'empereur était heureux de voir que son fils avait compris son erreur et qu'il finissait par devenir ce qu'il était destiné à être. Aux yeux de tous, les World Bearers semblaient animés par une fureur pénitente et déterminés à effacer les fautes du passé. Toutefois, tous, y compris le maître de l'humanité, se trompèrent lourdement. Que ce soit sous le nom des Imperial Heralds ou des World Bearers, la Légion respectait en grande partie le Principia Bellicosa, le modèle d'organisation standard des légionnaires Astartes conçu par l'Empereur et ses conseillers. Les guerriers appartenaient à des escouades, les escouades à des compagnies et les compagnies à des chapitres. Bien que la redécouverte de l'Orgar et l'afflux de recrues de Colchis n'aient que peu modifié la structure fondamentale de la 17e, de nouvelles dispositions apparurent. Ces changements n'ont pas affecté la composition des unités, mais plutôt leur idéologie. Les Worldbearers utilisaient tous les types d'escouades employées par les légionnaires Astartes, mais avaient tendance à maintenir des troupes plus importantes au sein de celles-ci que les autres légions. Les escouades de 20 Space Marines étaient normes communes à toutes les compagnies et à tous les chapitres, suivant la plupart du temps une configuration tactique. Celle-ci formait l'épine dorsale de la Légion, reflétant sa philosophie de guerre axée sur une avancée agressive grâce à des effectifs conséquents. Les escouades appartenaient à leur tour à des compagnies, regroupant généralement une centaine de Space Marines, leur taille variant en fonction de leur rôle. En effet, elles avaient tendance à être spécialisées dans un type de combat particulier, comme des compagnies d'assaut, de briseurs de lignes, de reconnaissance, et ainsi de suite. Celles-ci étaient souvent déployées en groupe, démontrant la préférence des Worldbearers pour les attaques de masse et les opérations coup de poing. Les compagnies étaient réunies en chapitres, comprenant de 500 à 3000 Space Marines, chacun arborant un nom et un insigne inspiré des constellations de Colchis. Le Soleil dentelé, le Trône osseux,
le croissant de lune, la main pleureuse, le fouet enroulé, la porte exaltée, la rune torsadée, la bride du grondement, le calice de la nuit et bien d'autres. Ces formations constituaient la plupart du temps la colonne vertébrale des campagnes de la 17e, leur flotte étant composée d'au moins un chapitre complet, tandis que les plus grandes pouvaient en rassembler plusieurs. Bien que leur stratégie était mise en œuvre de manière pragmatique, les Worldbearers avaient toujours un penchant pour les actes symboliques. Pour eux, la guerre n'était pas simplement un processus, mais aussi un moyen de communiquer, d'où leur habitude d'insuffler un caractère spectaculaire à leurs expéditions pour faire passer leur message. Plusieurs formations uniques incarnaient cette tendance. Le chapitre de la faux brisée était composé d'artillerie blindée, de chars de siège et d'escouades dotées de lance-flammes. Leur tâche consistait à raser les villes et les forteresses en une seule attaque, ne laissant que des ruines calcinées derrière eux. Le Cercle des Cendres, une unité composée d'iconoclastes rattachés à des chapitres, rassemblait de multiples escouades d'assaut équipées de réacteurs dorsaux. Ils étaient chargés de combattre les cultes vénérants de faux dieux en réduisant en cendres les bibliothèques et les sanctuaires à l'aide de lance-flammes, voire dans certains cas en utilisant des méthodes plus radicales à base de phosphex. Seuls les Space Marines les plus dévoués pouvaient entrer dans leur rang, et nombreux étaient ceux qui passaient par ce détachement avant d'accéder au poste de chapelain. Il est essentiel de souligner que tout au long de son histoire, la 17e faisait largement appel à des auxiliaires. Que ce soit lors des guerres d'unification ou de la Grande Croisade, elle recrutait des groupes de volontaires parmi les populations qu'elle avait vaincues, ceux qui étaient devenus des partisans de la vérité impériale, puis de la divinité de l'Empereur. Ces formations étaient bien souvent constituées de citoyens plutôt que de militaires, mais leur participation aux campagnes accroissait considérablement les capacités de la 17e à opposer une force écrasante à l'ennemi. L'Orgar occupait simultanément les rôles de commandant et de père spirituel, et la hiérarchie de la Légion reflétait cette double nature. Les maîtres de chapitre étaient responsables de la direction de leur chapitre, les capitaines celles de leur compagnie et les sergents supervisaient leurs escouades. Il était commun pour un maître de désigner l'un de ses capitaines comme sous-commandant pour opérer en tant que son second. La deuxième ligne d'autorité au sein des chapitres était d'ordre spirituel et était détenue par les chapelains. Bien qu'ils étaient théoriquement rattachés aux compagnies et aux chapitres, ils formaient en réalité une confrérie distincte. Même s'ils étaient des guerriers, leur rôle n'était pas lié au commandement, mais plutôt de veiller sur la foi de leurs frères, la clarté de leurs objectifs et la pureté de leurs actions. Chaque chapelain appartenait à une hiérarchie propre, où le respect qui leur était accordé variait en fonction de leur rang, celui-ci étant déterminé par leur temps de service et niveau de connaissance. Les hauts chapelains formaient le cercle dirigeant de leur ordre, au centre duquel se trouvait le premier chapelain, détenu par le Space Marine dénommé Erebus. Quoiqu'en principe distinct, les deux branches d'autorité se chevauchaient fréquemment et se confondaient en pratique. Par exemple, aucun capitaine de statut inférieur ne contestait la prééminence d'un chapelain chevronné. Les Warbearers accordaient autant d'importance à la victoire qu'au motif des combats, et les décisions concernant le déroulement d'une guerre ou d'une bataille étaient souvent prises par les chapelains pour être ensuite mises en œuvre par les officiers. Ce flou et cette fusion entre le commandement spirituel et militaire étaient également présents dans le cercle intérieur de l'Orgar, qui était composé de maîtres et de chapelains. Même au sein de ce petit groupe, deux personnes détenaient plus de pouvoir et d'autorité que les autres. Il s'agissait du premier capitaine Corphaeron et d'Erebus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs pour leur soutien à la chaîne, et si vous avez également envie de la soutenir, un lien est disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le lore de Warhammer 40 000.